Aujourd'hui, nous recevons la visite d'un régiment qui, depuis un siècle, fait honneur au Canada et plus particulièrement aux Québécois. Le premier régiment entièrement composé de francophones qui s'est distingué par ses actions héroïques sur de nombreux champs de bataille à travers le monde. À quelques jours du 100e anniversaire de sa fondation, le 21 octobre 1914, nous sommes extrêmement fiers d'accueillir le Royal 22e Régiment à l'Hôtel de Ville de Montréal. De se faire donner la droit de cité, c'est toujours un événement important dans le contexte que ça ne fait que raffermir les liens entre l'armée canadienne, ses régiments, ses unités et avec la communauté. Parce que ces régiments-là ne pourraient pas survivre sans avoir le support de la communauté canadienne. Le recrutement se fait au sein des communautés et se faire donner le droit d'honneur de pouvoir marcher librement dans les rues en tant que militaire, c'est quelque chose qui est tout un honneur pour l'armée canadienne et pour les régiments. C'est une fierté de se faire reconnaître par nos concitoyens canadiens-français comme régiment canadien-français et comme aussi membre de la grande communauté canadienne et aussi membre de la grande communauté canadienne-française.